Salut, c'est Jérémy, on est toujours sur la chaîne Frugalisme. Voilà, on est dans la playlist 60 jours, 60 vidéos pour changer de vie, arriver à mettre en place un mode de vie beaucoup plus engagé, arriver à s'engager de manière simple et pratique sur le chemin de l'indépendance financière. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à une question que beaucoup d'entre vous se posent. Est-il possible d'arriver à vivre en France sans travailler? On va voir ça tout de suite après le générique. Est-il possible d'arriver à vivre en France sans travailler? Tu te poses cette question, mais tu te creuses la tête. Mon Dieu, comment faire? Comment que je vais mettre en place tout ce qu'il faudrait que je mette en place pour arriver à ne plus jamais bosser? Drôle d'objectif dans la vie, mais néanmoins notre objectif à tous, à toi qui regardes cette chaîne et qui regardes déjà un certain nombre de vidéos que j'ai fait sur cette thématique. Alors, est-ce que c'est possible? La réponse que je voudrais essayer de t'apporter, elle est simple et elle tient en trois lettres. Oui, c'est possible d'arriver à vivre en France sans travailler. Mais pour ça, il va y avoir plusieurs directions, plusieurs choix, et certains d'entre eux ne sont pas incompatibles avec d'autres pour arriver à obtenir cette espèce de forme de liberté. Déjà, il y a une première possibilité dont je voudrais parler en tout premier, à mon sens, si on veut arriver à vivre en France sans bosser. La première, c'est d'être dépendant des aides d'État. En fin de compte, tu vas devenir dépendant ou du RSA, ou si tu es au chômage et que tu as l'équivalent aujourd'hui des aides CEDIC, hein, les aides de Pôle emploi, voilà. Ça, c'est une manière d'arriver à vivre en France sans travailler. Est-ce qu'on peut vivre longtemps comme ça en France sans travailler? Tu sais, hein, le chômage, il donne de moins en moins et de moins en moins longtemps, hein, au fur et à mesure des différentes réformes. Et puis, il ne faut pas se leurrer, ça va continuer à aller dans ce sens. Quant au RSA, est-ce qu'on vit avec le RSA? À mon sens, non. On ne vit pas, on survit. Mais on vit pas, on n'est pas dans une qualité de vie qui est normale, en tout cas pas du tout dans un niveau de qualité de vie qui est celui que moi j'espère pour arriver à avoir une vie heureuse, quoi, tout simplement. Il y a des besoins basiques qui sont importants, quoi, à commencer par se loger. Et quand on a uniquement le RSA, eh ben, si on est en ville, ça va être super, super tendu avec ça. Alors maintenant, on peut se demander quelles sont les solutions pour arriver à vivre en France en ayant une vie de qualité quand même, sans tout ça. La première déjà, ça va être de se concentrer bien évidemment sur les trois principaux postes de dépenses dont je parle régulièrement au fil de mes vidéos, qui sont, comme tu le sais bien évidemment, l'alimentation, le transport et le logement. Et le plus facile sur lequel tu vas pouvoir agir immédiatement et qui va certainement pouvoir t'apporter un grand bénéfice par la même occasion, ça va être simplement de travailler sur celui du logement. Le logement, en quittant la ville et en allant à la campagne, tu vas pouvoir bénéficier de logements beaucoup moins chers au mètre carré, tout en ayant le grand air qui va te permettre d'arriver à respirer et d'arriver à obtenir une qualité de vie bien meilleure, je veux dire. Voilà, on le voit, hein, les gens sont en train de se ruer sur les habitats à la campagne. Et ce n'est pas un phénomène qui est uniquement franco-français. Je peux te le dire parce que je regarde aussi ce qui se passe outre-Atlantique, notamment au Canada. Et on voit en ce moment une explosion des prix des chalets au Québec, au bord des lacs. Tu sais, il y a plein de lacs au Québec, hein, au Canada. Et souvent, il y a des cabanes ou des chalets. Et les prix sont en train de partir, mais dans la stratosphère. Les mecs, ils veulent tous se barrer de Montréal, quoi. Vraiment. Donc voilà, le truc Paris, les gens qui veulent se barrer, machin, c'est pas un phénomène qui est uniquement présent chez nous. C'est un phénomène qui est mondial. Petit 1. Petit 2. Et ça, on ne sait pas encore, mais j'ai ma petite idée là-dessus. On ne sait pas encore si c'est quelque chose qui va durer ou si c'est quelque chose qui est ponctuel. Moi, je pense que c'est une tendance lourde qui va vraiment s'inscrire dans le temps, et je suis persuadé, mais je l'étais déjà avant, que l'avenir, le futur, c'est les campagnes, c'est pas les villes. Pourquoi? Parce que, en fait, les campagnes, le seul truc qui les bloque encore aujourd'hui par rapport aux villes, c'est les accès Internet.
Dis-toi un truc, c'est que d'ici 10 ans, il va y avoir des camions automatiques, c'est-à-dire des camions sans chauffeur qui vont circuler un peu partout, qui vont tourner avec des moteurs à hydrogène, et tu vas avoir des camions Amazon ou des camions de livraison qui vont pouvoir livrer toutes sortes de produits n'importe où. Et donc tu pourras arriver à vivre à la campagne tout en bénéficiant de la même qualité de service au quotidien que si tu étais en ville. Voilà, ça c'est une réalité qui va arriver très 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 vite, hein. La seule, encore une fois, le seul frein à ça pour l'instant, c'est les télécommunications. Mais ben voilà, je veux dire, les différentes entreprises et les autorités sont en train de continuer de fibrer le pays, même s'il y a encore des zones blanches. Donc c'est quelque chose qui a tendance à s'améliorer avec le temps. Bon. Alors, je fais un peu abstraction de tout ça et je voudrais te parler d'une autre stratégie qu'on peut essayer de mettre en place et qui va dans la même ordre d'idée si on veut arriver à vivre en France sans travailler, c'est de s'inspirer des autonomistes. Il y a énormément d'inspiration à aller chercher auprès des autonomistes. Alors, qui sont les autonomistes? Les autonomistes sont des gens qui veulent vivre en autonomie. Je ne peux pas te le dire autrement. C'est-à-dire, j'ai ma maison que j'ai construite, ou ma maison passive, ou mon earthship que j'ai construit, et je produis ma propre nourriture. Je n'ai pas besoin d'être raccordé ni à l'eau, ni à l'électricité, ni au télécom, parce que j'ai une source d'eau sur mon terrain, j'ai des animaux, j'ai enfin voilà, je ne suis pas relié au réseau d'eau, je suis pas, enfin, voilà, je suis autonome. Alors dans la réalité, ce qui se passe le plus souvent, c'est que quand il s'agit de couples qui sont autonomes, il y a souvent l'un des deux qui travaille et l'autre qui s'occupe essentiellement des tâches qui sont nécessaires pour faire tourner la maison en quelque sorte, hein, notamment toute la partie agricole en quelque sorte, la partie culture. Et l'autre aussi le fait, mais en plus, il faut qu'il aille bosser un petit peu pour ramener un petit peu d'argent parce que faut quand même arriver à se déplacer et jusqu'à preuve du contraire, les voitures elles marchent encore pour la plupart d'entre elles à l'essence. Voilà. Donc il faut des sous. Donc ça c'est autre chose. S'inspirer des autonomistes, je pourrais dire également pourquoi pas des survivalistes, mais voilà, c'est des mouvements où il y a pas mal d'inspiration à aller chercher si on veut essayer de trouver des solutions. D'une manière générale, il faut bien reconnaître qu'ils arrivent à mettre en place des solutions pratiques pour arriver à diminuer, voire à quasiment réduire à zéro, leurs dépenses. C'est ce que je prêche au fil de mes vidéos. Réduis tes dépenses, augmente tes gains d'argent en créant des nouveaux actifs, et puis tu verras que ce sera beaucoup plus facile d'obtenir la liberté financière. Et pour arriver à générer des actifs qui sont rentables, eh ben il va falloir aborder la chose avec un certain état d'esprit d'entrepreneuriat en quelque sorte. Je m'explique. Plusieurs manières d'arriver à générer des actifs rentables lorsqu'on souhaite s'engager sur le chemin de la liberté financière. Un très connu qui a un grand succès en France et qui intéresse tout le monde, c'est bien évidemment l'immobilier. Un autre, ça peut être la bourse. Un autre, ça peut être l'entrepreneuriat. Et tout ça s'envisage avec un état d'esprit d'entrepreneur. C'est-à-dire que quand tu vas faire tes investissements immobiliers, il faut que tu fasses ça de manière professionnelle. Si tu fais ça en amateur, au doigt mouillé, en te disant, ah ouais, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, peut-être ben que non, quoi. C'est sûr, ça marche pas comme ça. Donc on calcule, on fait des projections, on essaye d'estimer, on essaye de pas se tromper, on demande des avis, on compare, on visite, on travaille avec des professionnels. Voilà, on professionnalise le processus et on s'entoure d'une équipe sérieuse pour arriver à obtenir des résultats de qualité. Si tu fais ça en amateur, tu auras des résultats d'amateur, c'est tout. Après, ça peut convenir, mais ça ne te permettra définitivement pas d'arriver à vivre en France sans travailler, à obtenir ta liberté financière. C'est faux. Bon, alors tout ça, faut le mettre en perspective avec une chose qui est importante. On parle de la France, on parle par principe du pays qui est le plus taxé au monde. D'accord? Ton travail est taxé, c'est-à-dire quand tu échanges ton temps contre de l'argent pour un employeur. Eh ben, l'État prend une part qui est conséquente dessus. Quand tu achètes ta nourriture, l'État prend sa part dessus. Quand tu achètes ton essence, quand tu achètes, etc., etc. L'État prend sa part dessus. Je ne porte pas de jugement de valeur là-dessus, si c'est bien, si c'est pas bien ou quoi, machin. Mais c'est un fait, l'État prend une part qui est conséquente dessus.
Regardons les choses de manière factuelle. Si tu mets en place les mêmes processus, obtenir la liberté financière sera beaucoup plus facile dans un pays qui sera beaucoup moins taxé. Donc, si tu veux arriver à obtenir ta liberté financière, eh bien, il va falloir consommer de moins en moins et essayer de faire en sorte que tes rentrées d'argent soient, ben, arrivent à couvrir tout ça, quoi. Arrivent à couvrir tes besoins plus la fiscalité qui est liée. Voilà. C'est possible, hein. C'est tout à fait possible et c'est tout à fait envisageable. Voilà. Donc tout ça, ça peut se combiner un peu ensemble, les idées, les stratégies que je t'ai énumérées, l'idée d'arriver à vivre à la campagne, l'idée d'arriver à investir avec un état d'esprit d'entrepreneur, l'idée d'arriver bah, peut-être à bénéficier aussi peut-être d'aide d'État si tu souhaites rénover une maison, essayer d'arriver à obtenir un mode de vie beaucoup plus simple qui te permette d'arriver à consommer beaucoup moins. Et d'avoir une vie, je te le souhaite, beaucoup plus heureuse avec celles et ceux que tu aimes. Un dernier truc qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on vit dans un pays où il y a des possibilités d'optimisation du point de vue fiscal. Il y en a des tas, il y en a des tas, il y a des tas de dispositifs. Par exemple, on peut très bien choisir la structure juridique pour un montage de société qui va te permettre d'avoir une fiscalité bien moindre en fonction de ton profil et de ton projet. Je sais rien, je pourrais t'énumérer comme ça le logement meublé non professionnel. Bon, voilà, si tu souhaites loger pour des étudiants, c'est bien. Bon, après, c'est limité en termes de montant, mais on peut déjà faire pas mal de choses. Il y a la SCI, la société civile immobilière, si tu souhaites t'associer avec un partenaire ou si tu as besoin de transmettre du patrimoine à tes enfants, c'est aussi une stratégie. Il y a la SAS, hein, société anonyme. La SASU, voilà. Bon, voilà, tout ça, c'est des possibilités qui sont très très intéressantes parce qu'on a un système qui est quand même riche et qui permet, avec certains montages, notamment si tu fais un montage type MERFI, d'arriver à faire des optimisations pour être beaucoup plus efficient et obtenir des résultats qui sont beaucoup plus efficaces pour la mise en place de tes stratégies. Ça demande à se documenter, ça demande là aussi à travailler avec des professionnels, notamment avec des avocats fiscalistes. C'est du travail, ça s'improvise pas, on fait pas du travail d'amateur. Si tu veux obtenir des résultats importants, il va falloir que tu montes en niveau de connaissance, que tu montes en niveau de compétence, que tu arrives à top grader d'une certaine manière. Et c'est la raison pour laquelle j'insiste encore une fois sur le fait que ton éducation et la formation que tu vas t'offrir, elle est essentielle et c'est ce qui va déterminer le chemin que tu vas pouvoir arriver à prendre dans les années à venir. C'était Jérémy, cette chaîne c'est Frugalisme. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas, comme d'habitude, tu mets un pouce, ça m'encourage à en faire d'autres. On est toujours dans la playlist, dans la playlist des 60 jours, 60 conseils et 60 vidéos pour arriver à changer de vie. Je te dis à demain, bonne journée, ciao.